Regarde ça. La carte des fuseaux horaires du monde montre qu'il fait jour sur certains continents alors qu'il fait nuit sur les autres. Comment cela est-il possible? Viens, regardons la position de la Terre par rapport au Soleil pour comprendre ce phénomène. Le Soleil est fixe dans le système solaire. La Terre, comme tu le sais, tourne en permanence autour de son axe propre, qui est une ligne imaginaire, qui va du pôle Nord au pôle Sud en passant par le centre de la Terre. Cette rotation se fait de l'ouest vers l'est et prend 24 heures pour un tour complet. À cause de cette rotation et des positions de la Terre et du Soleil, il se trouve qu'une seule partie de la Terre peut faire face au Soleil à un moment donné. Il fait donc jour sur la partie qui fait face au Soleil, alors qu'il fait nuit sur l'autre partie de la Terre qui est de l'autre côté et ne voit pas le Soleil. La rotation de la Terre change ensuite le jour en nuit et la nuit en jour à nouveau.
الشمس تشرق من جهة الشرق وتغرب إلى جهة الغرب وتكون وسط السماء في الظهيرة. التجربة الثانية: راقب ظل الشجرة في الأوقات التالية: 1 أثناء شروق الشمس، 2 أثناء الظهيرة، 3 أثناء غروب الشمس. سجل ملاحظاتك عن حركة ظل الشجرة. الملاحظة: يتحرك ظل الشجرة من الغرب إلى الوسط ثم إلى الشرق. الاستنتاج: تحدث حركة الظل نتيجة للحركة الظاهرية للشمس من الشرق إلى الغرب. الاستنتاج العام: الحركة الظاهرية للشمس تبدو لنا الشمس متحركة من الشرق إلى الغرب، والسبب في ذلك هو حركة الأرض حول محورها وليس إلى حركة الشمس.